Voilà aujourd'hui un an qu'un groupe d'hommes armés est entré dans une maison à Balak aux environs de 21h. Ils ont tué deux agents de sécurité et enlevé le directeur de l'ONG GEMED. Jeff Woodkey travaillait au Niger depuis 30 ans. En tant que directeur de GEMED, il était responsable de plusieurs actions humanitaires, de la lutte contre la dégradation de l'environnement et des soins d'urgence aux populations d'Abalak et environ. Et cela depuis des années. Aujourd'hui, il est otage d'un groupe inconnu. Un an après, aucun mot ne provient de ceux qui ont enlevé Jeff. La famille de Jeff n'a reçu aucune information de lui. C'est le silence, c'est la frustration. Aujourd'hui, pour la première fois, la femme de Jeff, Else, a décidé de parler, de dire ce qui s'est passé, de dire le travail de Jeff au Niger, de dire ce qui s'est réellement passé pour le kidnapping de Jeff, peut-être pour avoir une issue afin qu'il soit libéré. Else, merci d'avoir partagé votre histoire avec nous. Merci Ibrahim. Comment Jeff et vous êtes venus au Niger pour travailler? Le projet de GEMED existe à cause d'une invitation personnelle qui est venue d'un ancien de communauté. Parlez-nous du travail de Jeff au Niger. Les Tamashek ont une expression « Aman Iman ». Ça veut dire « de l'eau et de la vie ». Ça, c'est pourquoi le creusage des puits est une partie importante de notre travail. On a aussi donné des formations à les gens locaux afin qu'ils puissent donner d'aide médicale dans la brousse. Et aussi, on a distribué de nourriture pendant des crises. Madame, où est-ce que vous étiez quand Jeff a été kidnappé? Jeff s'était engagé de garder ses promesses envers les gens, mais il croyait que c'était trop dangereux pour nous de rester. Comment avez-vous appris ce qui s'était passé? Une amie m'a appelé. En premier, je n'ai pas cru, mais j'ai appelé une amie en Abalak et il m'a dit « c'est vrai ». Depuis tous ces temps, n'avez-vous pas eu un signe de ceux qui tiennent aujourd'hui Jeff? Non. Au début, j'ai reçu quelques messages, mais c'était juste des gens qui ont voulu gagner quelque chose pour eux. Après, Nusrat al-Islam wal-Muslimin a publié leur vidéo et Jeff n'était pas mentionné. J'ai fait une vidéo avec un appel et mon numéro. To the families of the captives, we say, if you desire a genuine and earnest solution for your children, then you yourselves strive to rescue them. J'espérais que quelqu'un va me contacter, mais personne m'a contacté. Si jamais ils vous contactent, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Que la paix de Dieu soit avec vous. Jeff comprend bien le sort du peuple du Sahel. Ça, c'est pourquoi il a consacré 3 ans de sa vie pour les aider. Il mérite de revenir chez nous. J'attends votre appel ou message. Si jamais Jeff regarde cette vidéo, qu'est-ce que vous avez à lui dire? Salut Jeff. Je t'aime beaucoup et les garçons aussi envoient leur amour. Nos amis nous aident beaucoup. Aie confiance en Dieu. Beaucoup de monde prie pour toi. J'ai confiance que tu vas revenir chez nous. Aie du courage. Dieu est avec toi. Else, merci d'avoir partagé votre histoire avec nous. Merci.